ça va bien monter, tu vas voir. Ça monte pendant 600-700 mètres. Première difficulté de la course, qui est commune à tous les parcours, 8, 14 et 36. D'accord. On l'a vu, passer à la baraque. La route, ouais. Pendant 20 km, on est complètement en pleine nature, soit la forêt, Quatenay et Quatenose, soit ensuite les sentiers des Landes de Prudland. D'accord. Donc les coureurs ne verront pratiquement personne, juste un signaleur ou deux dans les endroits stratégiques, mais très peu de monde en fait. Donc c'est vrai qu'on est sur un 36 quasiment autonomie, même s'il y a un ravitaillement à 10 km de l'arrivée. D'accord. C'est la montée du cap. C'est là que commence la course. Ouais, comme disait. Ça se produit. C'est le même sur du trail. D'accord. Bon, la côte du cap, comment il faut la. La côte du cap. Comment il faut la négocier? On va demander à Régis. Tiens. Voilà, celle-là là. Ouais, pas comme moi. Ouais. Comment pas trop regarder en haut et puis. De toute façon, il reste encore longtemps après. Il reste quoi, 15 bornes. Ouais. Elle a. Elle fait combien là de. Là, en distance, celle-là ? Elle fait 700-800 mètres. 700-800 mètres à peu près. Avec un. Bon, c'est vrai que ce qui est un peu embarrassant dans cette côte, c'est que en fait, c'est une ligne droite. Donc, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Quelquefois, c'est plus agréable de monter en lacet et on ne voit pas le sommet. Tandis que là, ici, on voit le sommet. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est rendu plus difficile par cet aspect de ligne droite. Là, c'est le premier apéritif. Là on part pour escalader 200 mètres. 200 mètres, c'est ici que ça commence à vraiment devenir compliqué. Parce qu'on va enchaîner les bosses, les unes après les autres, des descentes techniques derrière. Et une fois qu'on sera passé à la passerelle tout à l'heure, ben on va partir pour 3-4 km de montée pas sèche, mais où il faut envoyer quand même un train assez soutenu, ce qui n'est pas simple. Puisqu'on arrive aux 18 km à la passerelle en bas là. D'accord. Donc là actuellement on a fait 17. Là 18e. Juste. Pile poil. Ouais, pile poil 18. Et là on part encore pour 3-4 km de montée. Pas montée très raide mais montée pareil, sous-bois comme on est là. D'accord. Et c'est faut vraiment négocier ça ici vraiment au train pour pouvoir attaquer je dirais la troisième partie du circuit correctement quoi. Voilà. C'est bientôt le rocher de la Pie. Oui, on va s'attaquer au rocher de la Pie dans à peu près 1 km. Donc on va redescendre dessus. Le rocher de la Pie c'est pour nous les Loups-Argatais parce que je vais parler. En tant que Loargatais du coup, parce que je suis originaire de Loargat quand même. Tout le monde croyait que tu étais Belle-Île. Tout le monde croyait que j'étais de Belle-Île. La vérité. Éclate au grand jour. Je suis né à Loargat. Et donc c'est vrai que tous les jeunes de Loargat connaissent le rocher de la Pie. Parce qu'il y a 40 ans, il y avait moins de choses pour s'amuser qu'il y a aujourd'hui. Donc les jeunes étaient dans la nature et on se rencontrait souvent au rocher de la Pie. Et c'est la partie du rocher de la Pie où on peut presque encore courir. Quoique. Mais là. Quand ça monte. Rocher de la Pie, donc très technique, très difficile. Qui arrive à peu près au 23e, 24e kilomètre. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les coureurs parce que ça pique. Ouais. On a eu un peu de relance avant et puis on arrive sur une difficulté. Et on sait que derrière c'est pas terminé. Donc voilà, mais c'est un point magique de la forêt. Si on va sur les rochers en haut, on a une super belle vue sur la forêt. Les coureurs s'arrêtent là et redescendent par ici parce qu'il faut des raisons de sécurité. Mais voilà. Et comme je disais tout à l'heure, avant on passait au pied. Ouais. Puis Yannick avait trouvé que la course n'était pas assez dure, donc il dit on va faire un petit tour au rocher. Ouais. Donc maintenant on vient au rocher. Si tu veux prendre un point de vue. Ouais. Ouais. Ouais, tu connais la vue du coup, donc c'est vrai que c'est super beau. Et le rocher du Corbeau en face. Oui, le rocher du Corbeau en face. Voilà. Et on a le léguer entre là, dans la vallée.
Et donc ils sont d'une beauté particulière. C'est vrai qu'au printemps, là, avec les feuilles qui vont commencer à pousser dans les arbres, on va avoir un peu de toutes les couleurs. On va avoir du vert tendre, du vert un peu plus dur, les résineux. On a également des odeurs qu'on n'a pas encore rencontrées, mais l'ail des ours sur la fin du parcours, ça donne une ambiance particulière aussi. On aura aussi des jonquilles qui sont encore là, et l'apparition des premières clochettes violettes que l'on voit aussi. Donc une très belle nature. Et des endroits magiques comme un petit peu ce qu'on a vu avant avec les rochers du Cap. Ici donc le rocher de la Pie, le rocher du Corbeau de l'autre côté. Et ensuite on va longer un petit peu la vallée du Léguer pour rentrer sur Baillie-Lanterne. Ouais. C'est filmé. Le dimanche 24 avril. Nombreux à la rando Muco le 24 avril. Le 24 avril à la rando Muco. Tous le 24 avril à la rando Muco. Venez le 24 avril à la rando Muco.